T'as l'œil, toi, hein. Il y a une de ces atmosphères ici. C'est un film où il n'y a que de l'émotion. On est dans les années 80, Alain Resnais, il est dans sa période amour et mort, et Mélo pose une question, est-ce qu'on peut encore aimer les fantômes? L'histoire, c'est celle d'une femme, Sabine Azéma, qui est partagée entre son amant, André Dussolier, et son mari, Pierre Arditi. C'est une pièce de théâtre, adaptée d'Henri Bernstein, une très belle pièce qu'Alain Resnais va transformer en drame de l'amour. On est dans un jardin d'une banlieue parisienne très cosy, avec des musiciens très bourgeois. C'est assez fascinant parce qu'ils vont se mouvoir dans des espaces assez sombres, il y a beaucoup de musique, le texte est très beau. Je pense à une phrase en particulier, André Dussolier campe à un amant un peu trahi, trompé, et il dit « elle me mentait jusque dans ses aveux ». Il faut voir ce film avec l'amour à mort d'Alain Resnais, disponible aussi sur Madeleine parce que c'est un peu des jumeaux maléfiques. Et puis je finirai avec Fanny Ardant, elle est très belle à l'époque et elle campe une cousine aigrie que personne ne désire. Et alors ? Alors, vous pourriez en avoir pour longtemps, ma chère madame.